Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 21e épisode du Let's Play sur The Last of Us Remastered. La dernière fois on avait du coup progressé dans l'université jusqu'à atteindre justement ce bâtiment qui semble être le labo de recherche des Lucioles. Là on devait se rendre du coup, mais en vue du truc dévasté, ça semble pas bon signe du tout, surtout que il me semblait ici qu'il y avait des ennemis. Mais des ennemis humains. Alors là déjà on a des balles, à chaque fois on va voir si le truc est rechargé au max. Ah, il faut toujours avoir le... Merde. Ah, j'arrive pas à prendre l'arme. Faut toujours avoir le max de munitions possible. Donc ah non, là on est vraiment au max, on est plein. Ouais, bon bah ok. Je vais quand même reprendre, hop, celui-là. Ok, on est bien. On est bien, donc on va un peu fouiller tout ça, vu que ici normalement ça risque d'être quand même une zone assez vaste au niveau des recherches. Forcément, c'est un labo de recherche, lolilol, tout est lié. Surtout mes gélules, moi, qui m'intéressent. Mes 5 dernières gélules, là. Ce serait bien de les avoir avant de partir au combat. Ouh, 25. Waouh. Mais pas de gélules. Tristesse. On est dans un labo de recherche. Oh! Ah, ok, je comprends. On a un poste d'amélioration. Et du coup, le lance-flamme, j'ai bien envie de voir ces améliorations. Ah oui, mais j'avais déjà vu, je suis con. On a le rechargement et bah on peut rien améliorer du coup, ça c'est dommage. L'arc, on était également au max. Là il y avait le recul, il y avait le recul également. Là également on était au max. Je pense qu'il doit pas être loin du coup là, le niveau, c'est le niveau 4 qu'il nous faut. Ouais, le niveau 4 doit pas être loin parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'écrous et j'ai à peu près tout amélioré pour l'instant. Je trouve ça assez bizarre. Bon, moi revolver, il est amélioré à fond du coup. Bah là du coup on va améliorer aussi le reste hein, parce que bah non, on n'a pas d'autre chose à faire. Voilà. Et on peut pas l'améliorer au max lui par contre, tu vois. Ok. Ah si, en fait, si si, c'est niveau 3 et niveau 2. Bon bah on a tout amélioré hein, surtout au niveau du pistolet. On va avoir un pistolet ultra tisté, ouais, trop bien. Trop bien. Ouais, on va ouvrir direct cette porte, tiens. Ça m'intrigue. Ouais, une salle de conférence. Enfin, entre guillemets. Mes gélules. Moi, je dis, où sont mes gélules? Ah, les 5 de gélules, parfait. On les a. Et du coup, santé maximum. Voilà. On a la santé au max là. Coup prochain truc, ce sera mettre du sur, hein, peut-être. Stabilité de l'arme. Stabilité de l'arme, j'avais dit que c'était important et je l'avais toujours pas pris, c'est vrai. On l'aura pour la fin du jeu, quoi. Et du coup, ouais, la vie, regardez ce que j'ai, c'est quand même pas mal maintenant. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Avec ça, j'aurai quand même un peu plus de sûreté au niveau du combat. Là, sinon, il n'y a rien. Non. Ok. Ce début d'épisode va être un peu calme au niveau de la recherche du coup. Ellie, elle est partie où? Ah bah elle est là. Voilà, on l'a trouvée. Donc ça du coup on a déjà tout fouillé, donc on va pouvoir continuer par là. Hop, hop, ok. On a cette salle. Et on a cette salle. Ah, je pense que ça va activer une cinématique ou un truc comme ça. Le moment où ils vont nous attaquer, parce que je sais vraiment qu'il y a des mecs qui vont nous attaquer, je m'en souviens trop bien. Ça a sûrement du coup on va ouvrir le truc. Faire quoi? 10. Ça va faire mal? Non, non. Ils vont juste prendre un peu de sang. J'espère qu'on le rattrape pas hein, du coup le niveau d'arme 4 là, parce qu'il nous faut. Hein. Si je veux continuer à améliorer mes armes, sans ça c'est mort. Je sais pas si d'ailleurs si on peut les rater du coup ces trucs d'amélioration là. Je me rappelle même plus où j'avais eu les précédents, si c'était sur des chemins secondaires ou pas. Ah, sûr, hein. C'est une salle secondaire, ça, du coup? Non, c'est pas une salle secondaire, je pense. Ah, quoique... Ah, bah si, oh, putain, il est là, le niveau 4, j'aurais dû attendre. Je savais qu'il était dans les parages, ce con. Du coup, ça répond à ma question. Oui, c'est dans les trucs secondaires. Donc, faut faire gaffe, quoi. Ah, mais merde! Ah, mais du coup, j'ai amélioré quand même des vieux trucs, là, on peut se le dire. Hein. J'aurais pu attendre, j'aurais eu des bons trucs. On bah, sera pour la prochaine fois. Hein. Donc, améliore les rayons d'explosion. 2 fois plus grand. Tout, je crois que c'est pas la première amélioration qu'on a pour.
Oh, 50. Eh, hey, mais peut-être. On va peut-être pouvoir améliorer des trucs, c'est même sûr. Mais ouais, c'est pas la première truc d'amélioration, je crois, qu'on a pour cocktail Molotov. Ok, ça c'est bien aussi, 15. Bah, on va retourner rapidement du coup. Parce qu'il y a peut-être. Bah, il y a même sûrement moyen, vu que là on ramasse 150. Imagine le truc quoi. Ah oui, c'est ici du coup la suite, ok. Ok. Donc c'était pas du tout le truc secondaire. J'avais juste pas vu en fait cette porte, c'est pour ça. Donc la confection, c'est par là. Ah, le lance-flamme, j'ai bien envie de l'améliorer encore parce que vraiment cette arme. cette arme, c'est le plaisir. C'est l'efficacité. Ouais. Alors. On a la. Oh, la portée quoi, la portée quand même, hein. La puissance, oh ça doit être bien ça aussi quand même la puissance. Sinon il y a quoi d'autre? Ah j'ai débloqué tout ça. Fusil à pompe par exemple, on a cadence, capacité de chargeur, ouais pas mal. Lunette, donc ça doit améliorer le zoom. Ouais, améliorer la lunette de l'arme. Ah capacité de chargeur c'est bien aussi ça quand même. On va quand même prendre la portée pour le lance-flamme, parce que le lance-flamme c'est la vie. Et il nous en reste 25, parce qu'il y a peut-être un truc là, comme ça, que je peux améliorer. De niveau 4 ou pas. Ouais, il y a cadence de tir de El Diablo là. Et sinon. On va prendre ça, cadence de tir d'El Diablo. Voilà, ok. Du coup, voilà, on va aller vers le hall là, central. Ça avait l'air d'être ça. Là, on est bien amélioré, hein, on se met bien. Je suis prêt à me défendre, tu vois. Hein. Je sais qu'il va y avoir des ennemis à tuer, mais je suis prêt à me défendre, j'ai ce qu'il faut. Normalement. Ok, donc on arrive ici. Ah oui, c'est vraiment le hall central. Hein. Et ah, on a la possibilité de monter par là. Et là. What? Elle s'est TP. Non, mais ça va pas, Ellie, comme ça, de se TP quand je regarde. Faut faire ça discretos quand je regarde pas. Rien d'intéressant. Y'a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Et merde, c'est là. Faites pas tous. T'éloigne pas. Je crois pas que c'est des infectés, hein. C'est vraiment normalement des soldats qui sont ici. Ouais, ça doit être ça. Des soldats ou des pilleurs. Là, les ascenseurs, y a... Non, y a pas moyen de les ouvrir. On va monter, on va voir ce qu'il y a, hein. On va devoir se fight dans tous les cas. De toute façon, vu le bruit, il y a forcément quelqu'un ou quelque chose. Et on peut pas monter plus haut, donc c'est à cet étage. Hein. Bon. Et allons-y. Je suis prêt. Ouais, par contre, dans ce flamme, peut-être contre des humains, ce sera moins efficace. Hein. Donc, vas-y, on va le remballer. Parce que je pense vraiment que c'est des humains, là. Et pas désinfecté. Alors. Aucun cadavre. Oh là là, mais la zone est vaste ici. Faut qu'on trouve où ils sont allés. Oh, mais la zone est vaste ici. On va encore devoir fouiller partout. Bon, encore des trucs d'El Diablo. Mais on est au max. On va commencer par là. On va faire le tour. Nanana. Magnétophone du bureau. Les infectés ont tué deux autres de nos gardes. Pour une fois, j'ai pas besoin de lire. Ils vont encore tenir une putain de réunion au sujet de la sécurité du labo. Tout notre équipement est ici. Toutes nos données. Tout le personnel s'est habitué à vivre ici. Bon, je vais faire d'autres tests. Sinon, cette incompétence va me rendre complètement fou. Pourquoi à chaque fois c'est pas des magnétophones, j'aurais plus besoin de lire moi. Oh là là. Qu'elle gagne gagne temps et un gain d'énergie. Ah ouais, moi je suis une feignasse. Hein. Non, je garde ma brique. Toujours avoir une brique, pas de bouteille. Bouteille c'est nul. Les briques c'est la vie. Et ouais. On va pas la garder en main non plus. Hein. Faut pas croire. Ça j'ouvre, au moins. Ça nous donne l'accès. Putain, il ouvre violemment. Hop ici. C'est vide, ça m'énerve. Vous êtes vraiment dégueulasse à faire ça. Des trucs qu'on peut ouvrir, y a rien dedans. Tiroir là, t'es pas vide toi. Ah bah oui, 5. Voilà.
Eh, ça monte vite, hein, vraiment, les pilules, là. Hein. Ils veulent nous donner plein d'améliorations avant la fin du jeu. Hein. Je vois ça. C'est cool, c'est bien. Après, tu préfères comme les avoir avant, quoi. Même si c'est la fin du jeu où ça se corse, normalement. Alors, là, il n'y a rien non plus. Ouh! Et ça fait 4! Ouais, on est riche! Ouais! Oh, 10. On a combien là déjà? 30. Eh, ben ça va aller vite, hein. Pour les 20 restants, ouais. On vient tout juste d'améliorer, on en a déjà 30. Alors, je vais quand même finir de fouiller du coup, ouais, cette pièce. Je sais pas quand ça va déclencher le script en fait. Il y a forcément un script qui va se déclencher, je sais pas quand, à quel moment. Des munes. Ok, ça c'est bien, c'est très cool. C'est bien d'avoir les niveaux de confection, mais après quand tu peux pas améliorer parce que t'as pas les écrous nécessaires, bah ça devient vite con, hein. Ça te donne envie quoi, mais tu peux rien faire. Oula, mais hey, défonce pas comme ça le truc. Il est malade. Il est malade, surtout qu'il y a des gens là. C'est pas bien ça. Il est fou. Y a rien là. Sûrement des claqueurs, tu crois pas? Non. Les claqueurs ne se cachent pas. Ouais, voilà. De toute façon, s'ils se cachent, je peux pas être détecté avec ça, moi. Ah, ça doit peut-être être en ouvrant la porte là que va se déclarer un truc. S'activer, surtout. Il y a des radios. Rayon X fongique. Radio de développement fongique dans le cerveau d'un patient. Bah, il se fait défoncer la gueule, quoi, en gros, voilà. Ok, bon, on va devoir ouvrir. Derrière ce truc, doit y avoir un truc. Voilà. Non, c'est pas seulement des singes, il y a autre chose. Il y a autre chose. Ça, c'est pour nous faire croire qu'il va y rien avoir et pas de danger, mais j'ai déjà fait le jeu, hein. Vous mourrez pas à ce jeu-là, hein. Non. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Lol. Continue de chercher, on trouvera Lol, c'était très très drôle. L'humour était à son paroxysme. Oh, il y a un pendentif de Luciole. Cool. On a pas mal quand même des pendentifs, mais bon, vu qu'on sait pas combien il y en a au total, je peux pas trop déterminer ça. Hein. Et sinon, il n'y a pas de tiroir ouvrable, non rien de tout ça, donc on va encore continuer. C'est sans fin en fait ce bâtiment. Je me rappelais pas que c'était aussi long. Et au pire, si on doit se battre, il faut pas oublier que j'ai une machette à 3 utilisations, c'est-à-dire 3 one shot. Donc ça, c'est quand même cool. On va devoir se battre, je le sais, je le sais, je le répète, je le sais. Je m'en rappelle. Derrière cette porte, il y a un truc là. Et bah voilà, enfin. Ah bah dis donc. Non, sans blague. Je suis mort. Je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte. Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. En train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est? Ouais, je connais la ville. C'est loin? C'est pas tout près, enfin, à cheval. Quoi? Eh ben voilà. Et Luciole? Baisse-toi! On y est. Ah, je savais, hein, je vous avais dit, hein, c'était pas non plus du flan, hein, ce que je racontais depuis le début. Peu importe. Des ennemis. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Ce sont des ennemis. Mais est-ce qu'ils vont arriver direct là? Non, j'espère pas, hein. Ce serait une mauvaise blague. Bon. On va devoir se battre là. Est-ce qu'ils vont venir direct à nous ou pas?
Y a rien, hein. On est d'accord, y a rien. D'ailleurs, il n'y avait pas un truc sur le cadavre de l'autre là? Regarde si je fais ça maintenant. Ouais, bah ils sont plus là forcément. Forcément, je m'y attendais. Bon, attendez. Non, il n'y a rien. Alors, comme arme, on va prendre le pistolet déjà. Je pense qu'ils vont être bien protégés et tout, hein. Ils vont pas rigoler, quoi. J'espère qu'ils sont pas trop. Ah bah voilà. J'espère qu'ils sont pas trop nombreux. Est-ce des pilleurs? Oh mais ok, lui, il est direct. Ah mais putain! On a la hache. Elle one shot aussi, elle a plus d'utilisation après. C'est quoi ce truc rouge là-bas qui clignote là? What the fuck? Bon, la hache, c'est quand même l'arme ultime, ça. L'arme ultime. C'est quoi le truc qui clignote là-bas, rouge là? Ah non, c'est une fumée. Une insertion tactique. Ça va, c'est des pilleurs, du coup, ils ont pas vraiment très bien protégé non plus. Hein. C'est pas la folie. Je sais pas si je l'ai eu. Si je l'ai one shot. Bah non. Là, normalement, oui. Putain, Ellie, mais elle se met bien là. Oh putain, il y a un mec là. Attendez, on va le prendre comme ça, regardez. Voilà. Bon, j'aurais quand même espéré le one shot. Malheureusement, non. Parfait. On progresse, on progresse. Oh, je lui ai arraché. Oh, regarde, je lui ai arraché les boyaux. Oh, dis donc. Ben Dieu. Merde! Il y a un mec. Bah, lui, il a été one shot, voilà. Quand on cherche pas à one shot, on one shot. Quand on cherche à one shot, on one shot pas. Faut savoir. Alors là, par contre, kit de soins. On va quand même assurer la chose, hein. Pas envie de mourir bêtement. Dans tous les cas, je pourrais m'en confectionner. Allez, on y retourne. Faut que je détecte vraiment où ils sont. Sauf que là, je les détecte pas, donc je sais pas s'il y en a pas ou si vraiment je les détecte pas, quoi. C'est louche, y'a vraiment personne ici. Ouais, non, 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 il y a des gens. Quoique. Ah bah voilà. Putain, y a une autre hache, mais on va tous pouvoir les prendre au corps à corps, eux. Hein. Ah, mais ils arrivent par derrière! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Regardez-le! Qu'est-ce qu'il fout là derrière, lui? Tiens! Oh là là, la hache, c'est vraiment l'arme ultime, quoi. Tu peux one-shot 5 mecs avec ça, c'est d'enfer. Surtout qu'on a une nouvelle hache là après. Eh ouais, mais. C'est fourbe ça! C'est bon, on se les fait. Est-ce qu'on prend direct la nouvelle hache? Je sais pas. Faut que je fasse gaffe par contre à ma vie parce que je perds bêtement de la vie à vouloir les rush à la hache. Parce que je veux vraiment pas bousiller mes munes et finalement ça me porte un peu préjudice. Un petit peu. C'est par là la suite ou pas du coup? Ah bah oui, on arrive là, ok. Oui. Oui, forcément, c'est la suite. Il y en a encore en bas, quoi. Oh, il y en a partout. Tiens, hop, voilà. Merci. Pour les mines de pompe. Oh, toi, par contre, ça, je prends pas. Non, non, non. Mine de pompe. Est-ce que je peux vraiment m'en confectionner, en fait, des kits de soins? Oh, mais oui, large. Large! Ah, du coup, on va s'en mettre un. Allez, hop là, un petit. Voilà, ça va mieux, merci. Merci beaucoup. Bon, on va reprendre le pistolet. Oh, il nous attend. Oh la pute. Voilà, one shot. Je trouve quand même que j'ai un moins gros balancement d'armes qu'au début du jeu. Hein. Je trouve que c'est plus précis maintenant. Hein. Je sais pas pourquoi, mais.
J'achèterai quand même la compétence pour, mais... Merde. Oh. Alors ça, ça va pas faire du bien. Il va falloir que tu me tires. Ok. T'es prêt? 1, 2, 3. Oh là là. Ça avait été au niveau du sac, ça aurait moins transpercé. Hein. Et comme par hasard, il y a un petit truc comme ça. Il doit tomber dessus, comme par hasard. C'est vraiment la merde. Est-ce que j'ai... Ouais, je crois que j'ai balu limité là, par contre. Hein. Je peux me défouler comme je veux s'il y a des ennemis. Je sais pas s'il va y en avoir, mais sûrement. Tu gères la fenêtre ? Je gère la fenêtre. Tranquille. Non, pas du tout. Allez, bouge ! Je vous vois. Merde. Si je te vois... Est-ce la fin? Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes portes que t'as descendu. Sors de là. T'as envie de jouer au plus malin? Ouais. Pourquoi pas? Voilà. Oh. Dans le mal, dans le mal, dans le mal. Tout le sang qui perd, quoi, laisse tomber. Tout le sang qui perd, et tout le sang qu'il a déjà perdu. Il y a personne. Dépêche. C'est tout noir. La lumière. Va vers la lumière. Oh, tout ça en plus pour rien. Il y a personne. Allez. Ici. Voilà la sortie. Encore un peu, allez. Hey. Ouf. Joël. Il y a toi. Des ennemis. Allez, sors. Reste là. Je vais ouvrir. Attends. Allez. Oh, la grosse merde, quoi. Il voulait voler du rayon. Oh, le bâtard. Et il neige, en plus. Monter.
crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! Hiver. Oh non, le mignon petit lapin. Non. Ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. Surprise, on incarne Ellie maintenant. Et ouais. Alors la question qui se posait, Joël est-il mort ou pas? On incarne Ellie quand même, c'est pas pour rien. Bah, vous le verrez. On aura la réponse à cette question de toute façon. Te voilà. Là du coup va falloir chasser l'élan, le cerf, je ne sais jamais trop ce que c'est. Le renne même. Il y a trop de variantes tu vois, mais on va le chasser, hein. T'inquiète pas. Pour conclure cet épisode, donc allons-y. Et on va encore changer un peu de perspective de jeu, là. On passe vraiment un nouveau cap. Le cap de la fin, hein. Quasiment, on se rapproche vraiment bien de la fin, là, en tout cas, donc oui. Hey, on a l'instinct aussi, ça, je m'en rappelais pas, ok. Mais il est moins développé, je pense, quand même. On peut pas voir les trucs d'amélioration. Va falloir le planter lui. Ah non, je peux pas sauter. Je peux pas sauter avec Ellie. Oh. Il est où là? J'essaye quand même de rester loin de lui tout en essayant de le voir. Là on voit pas. Hein. On le voit pas, on n'a pas la perception de lui. Il est où? Il est où? Il est où? Non, rien. Où est-il parti? Moi, je suis pas un bon chasseur. Hein. Ah si, on peut sauter. Oui, je me disais. Ah, il est... Là. Le truc, est-ce qu'on le suit? Ou alors on doit le chasser le plus rapidement possible? Je me rappelle plus. Est-ce que c'est fait exprès, là, qu'il fuit comme ça ou pas? Je sais plus. Je sais plus vraiment. Et on va passer par là. Ah si, on peut pas, là, c'est pas possible. Faut pas exagérer. De toute façon, on progresse, c'est pas comme si on tournait en rond, là. Enfin, je crois. Ah non, on tourne pas en rond, c'est pas possible. Ah! Bloqué par des branchages! Non! Vas-y, là, va peut-être. On va pas le sniper de là, c'est pas possible. Quoique. Oh, quoique. C'est pas loin, hein. Mais le truc il est pas stable, donc ça va être chaud de sniper à cette distance-là, quoi. Et finalement, si, peut-être qu'on tourne en rond. Hein. Je sais pas. Je sais pas trop. Ah, on a du coup, on peut récupérer les flèches, ouais, forcément. Donc, je pense qu'on a quand même flèche illimitée. Mais bon, c'est pas sûr. Il est là-bas. C'est trop chaud. Attendez, on va se rapprocher comme ça. Parce que là, on est vraiment trop trop loin. C'est pas possible, quoi. Là, peut-être que c'est déjà un peu mieux. Ouais, non, même là... Même là, c'est chaud, quoi.
Il nous a toujours pas perçu. Et là. Ah bah là, voilà. Pan. Ok, on l'a blessé. Je pense qu'une seconde flèche, ça devrait l'achever. Il nous faut de la nourriture. C'est comme ça. C'est moi ou c'est toi? Oh, oui. Alors du coup, faut voir où il est maintenant. Il est là. Ok. Donc on va avancer encore une fois prudemment. En étant en hauteur là sur la butte. Normalement on devrait avoir un bon point de vue pour l'achever. Ah c'est nul de dire ça, mais on est obligé. Hop. Même pas, putain, il en fout une troisième. Oh là là, je suis déçu. Je pensais que c'était fini, et non. Alors, de là on peut le voir ou pas. Non. Il est à gauche ou il est à droite déjà? Ah non, il est à droite, je pense. Ici, là, de ce côté. Aucune idée d'où il est. Ouhou, es-tu là? S'il est parti de l'autre côté, par contre, c'est se faire bien avoir, ça. Hein. Il y a de rien à voir ici. On est d'accord. Non, je sais pas. Non, il y a rien. Il est pas de ce côté là. Non, bah faut aller de l'autre côté, hein. Pas le choix. Mais elle nous sert à rien aussi la perception là. On repère rien du tout. Soit c'est parce qu'on n'a pas de portée, soit elle marche pas très bien. Hein. Du coup, il serait reparti de ce côté. Ah bah voilà. Donc comme par hasard sur les deux chemins j'ai encore choisi le mauvais hein. Putain j'ai le don de faire ça. Ah mais il y avait les traces de sang, putain bah oui. Il y avait les traces de sang. Peut-être qu'il est déjà mort en fait. Vu le sang qu'il a perdu. C'est peut-être ça. Non, t'es encore vivant. Attendez. Est-ce qu'il est vivant ou pas? Ou alors il agonise. Il y a beaucoup trop de sang à mon goût. Hein. Je pense qu'il agonise. Hein. Ah oui, on arrive ici. Je vois. Je vois très bien. Je vois très bien où on est. Hop. Pas grave pour les dégâts. Mambalek. Donc on va toujours suivre les traces de sang, même si ici je le sens pas, tu vois. Et ouais, c'est ça, il a été terminé. Qui est là? Montrez-vous! Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr.
reculer. Ça risque d'être long. Ça... ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid ? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles ? Pourquoi ? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Vous aviez une autre arme ? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Ouais, mais bon, ça, on verra peut-être la prochaine fois, hein. Je pense que ce sera un peu mieux, voilà. On va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode 21 du Let's Play sur The Last of Us Remaster. J'espère que ce dernier vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, de commentaires et de partages, ça me fera plaisir. Et on pourra peut-être savoir dans le prochain épisode ce qui est arrivé à Joël. Il est mort ou pas. En tout cas, il y aura, je pense, beaucoup d'action, parce que déjà, dès le début de l'épisode, là, il y aura de l'action pour se battre contre tous ces zombies, tous ces claqueurs, ces coureurs. Mais il faudra attendre, du coup, jusqu'à mardi. Allez, bye tout le monde. Oh yeah.